Vous l'aurez donc compris, il n'y a pas eu vraiment de match ici ce soir au Palais des Sports René Bougnol, puisque notre équipe du MHB s'est imposée sur le score de 29 à 18 face au club de Chambéry pour le classique du championnat français lors de cette première journée de D1 de handball, Lidl Star League. Après cette rencontre, nous avons retrouvé Vincent Gérard et Ludovic Fabregas qui nous ont fait part de leur satisfaction de cette large victoire face donc à Chambéry. Je vous propose de retrouver Ludovic Fabregas. C'est des bons matchs là aussi pour mettre en place tout ce que Patrice avant la Ligue des Champions qui arrive assez vite. Oui, c'est sûr, il faut continuer encore à travailler, on a encore des choses à revoir. Mais je pense qu'il y a de très belles choses, on s'est montré beaucoup plus conquérant, je pense, que le Trophée des Champions. Et ce soir on a montré notre niveau. On peut maintenir, en tout cas j'espère, et en tout cas c'est bien. Normalement sur Paris 2024, on aura les Jeux en France. Il sera peut-être probablement avec l'équipe de France. C'est excitant de pouvoir jouer cette compétition-là en France. Oui, c'est excitant, mais bon, c'est encore loin. Je commencerai peut-être à être à grande maturité à ce moment-là. Mais... C'est de profiter aussi de ma jeunesse et de tous les moments que j'ai passé à Montpellier et je suis naturellement là. Merci Ludo. Pu voir donc la satisfaction de notre pivot international montpelliérain. Voyons maintenant la réaction de celui qui a peut-être réalisé la meilleure prestation ce soir, c'est Vincent Gérard. Il a réalisé de nombreuses parades et a permis à son équipe de s'imposer sur un score de plus 11 en réalisant notamment des arrêts à 6 mètres sur penalty. Il a régalé le public ce soir. On a quelques tirs au début, c'était un peu la précipitation, mais on a fait un écart direct, on ne s'est pas fait peur. Donc on est très satisfait de ce premier match. On sait que ça peut être souvent difficile parce qu'il y a un peu de fébrilité. Ça fait longtemps qu'on travaille, on a tous envie d'être bon, donc on ne s'est pas affolé et ça a été vraiment un bon match. Ouais, j'avais aussi à cœur. Quand on s'entraîne, pour moi, j'ai été plus et ça m'a réussi ce soir. Je pense qu'il me reste encore 80 matchs, donc espérons que ce soit comme ça pour un petit bout de temps pour la saison. Vous connaissez votre pourcentage de... Ah non, j'ai pas compté, désolé. Non, mais c'est énorme. Oui, non, mais c'est sûr que ça s'est bien passé. On a très bien défendu, on a mis leurs attaquants. Ouais, mais bon, il y a tiré à 6 mètres, Ludo là, qui a bien bossé, et derrière, bah, moi j'ai fait le travail. Donc c'est vrai que gagner en prenant 18 buts, c'est une vraie satisfaction. Quand est-ce qu'on a le déclic? Quand on en arrête 1, 2, 3, quand on se dit, allez, c'est mon match, c'est quoi le déclic? Ouais, il n'y a pas de déclic, on travaille tous les jours avec l'expérience. On sait que bah, c'est pas en commençant en 3 arrêts que ça va enchaîner, mais travailler tout le match, il n'y a pas de déclic, on sent bien qu'on est dedans, même dès l'échauffement, on sent qu'on est prêt. On nous a senti quand même super heureux. Hein. Ouais, mais c'est sûr, on est content de battre Chambéry à la maison, premier match, c'est avec un score d'une telle ampleur, c'est une belle victoire. On est content, maintenant on va se concentrer aussi sur ce match de Ligue des Champions qui nous arrive mercredi, mais c'est vrai que pour commencer on pouvait pas rêver. Merci. Après cette partie, nous avons également vu en conférence de presse l'entraîneur Patrice Canaillet et l'ailier gauche de Montpellier, Mickaël Guigou, qui sont revenus brièvement sur cette rencontre. Je vous propose de les écouter. Solutions et
peu importe comment, voilà. À partir du moment où on était engagé dans un match comme celui-là, où on avait un écart au score, il fallait qu'on continue à être costaud et solide. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Dès le début de la deuxième mi-temps, on a réussi à remettre un petit coup d'accélérateur pour pas qu'ils espèrent quoi que ce soit. Et par rapport à ça, c'est un très bon match. Est-ce que ça va être un peu la philosophie de jeu cette saison, c'est-à-dire une grosse défense et aller vite vers l'avant pour marquer beaucoup de buts et se faire l'écart rapidement? Aller vite vers l'avant, en tout cas, bien sûr que en balle, si tu n'as pas une grosse défense, si tu n'as pas un gros accès sur ce point de jeu, tu peux pas exister pour la balle. Donc bien sûr que c'est ce qui a été notre force un peu l'année dernière, qu'on a réussi vraiment à mettre en place, que ce soit par la 5-1 ou par la 6-0. Et bien sûr, après, on a beaucoup de joueurs de qualité qui sont capables soit de déborder directement, soit de monter les ballons comme on l'a fait ce soir. Ça fait partie de nos qualités, mais après, en attaque placée, on a d'autres possibilités aussi. Et voilà, ce soir, en tout cas, c'est comme ça qu'on a réussi à faire la différence. Une dernière en application, ce que vous aviez prévu? Oui, c'était très bon. Tu m'as fait un match très appliqué avec quelque chose qui arrive régulièrement dans un premier match de championnat, c'est-à-dire 5-6 premières minutes avec un peu de fébrilité des deux côtés. On s'est appuyé sur une défense solide. Les joueurs d'expérience ont été présents. Vincent Gérard a été présent. Michael a mis les buts au début du match quand le bar a tremblé un peu chez beaucoup de joueurs. Voilà, donc les joueurs d'expérience ont été là au moment où il faut qu'ils soient là. Et après, les autres ont bien envoyé derrière. Donc, je suis satisfait du résultat. Parce que gagner de 10 buts à domicile contre une équipe européenne, c'est toujours une belle performance. Et puis de la dernière aussi, et puis d'avoir retrouvé le public de Bouillon, c'est une belle soirée, même s'il faisait très chaud. C'est bon? Oui. Montpellier qui s'impose donc 29-18 ce soir face à Chambéry et s'installe confortablement en tête de ce championnat de France de handball. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour la rencontre face au Métallurgue en Ligue des Champions. La semaine prochaine, le MHB se déplacera à Nîmes pour un derby qui promet d'être vraiment très chaud.